Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Voici l'histoire de mon père, un jeune Camerounais originaire du centre, né dans un petit village. Au regard de son enfance, ça fait couler des larmes, je l'avoue, ce n'est pas vraiment souriant. De père catholique, ancien cheminot retraité avant sa naissance, d'une mère protestante engagée, la pauvre mourut très tôt, avant même que mon père dans sa croissance est grandi en âge. La vie était si difficile dans ce village, pris en otage par la sorcellerie. La mort était le quotidien et dans son règne avait envoyé le sourire dans les abysses de l'oubli. Dans ce village, les sorciers attendaient leurs victimes dans les bosquets pour les exécuter sans remords, sans pitié. Où des pauvres innocents, avant même d'être adolescents, étaient exécutés pour être dépouillés de leur sang. Dans ce village où la sorcellerie est comme une religion et se transmet de génération en génération. Dans ce village où il était dangereux de voyager ou de marcher sur la route tout seul pendant la nuit sous peine d'exécution. C'est dans ce village que mon père a vu le jour. C'est dans ce village que mon père connut le pire pendant son séjour. Ainsi devant orphelin, une marionnette de l'ennemi, avant Jésus lui tend la main, Jésus, le meilleur ami. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. La mort de ses parents fut pour lui un coup insupportable, et dans l'ignorance il finira entre les mains du diable pour le servir pendant plus d'une décennie. Mais le Seigneur ne tardera pas à le secourir, à le sortir de cet univers ténébreux, à faire de lui un grand serviteur de Dieu, à lui dire va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et aujourd'hui je ne te raconte qu'un briefing de toute l'histoire. C'était le 22 du deuxième mois 1992 qu'il fut transporté jusqu'au troisième ciel. C'était le 22 du deuxième mois qu'il fut visité en particulier par le Créateur même du ciel. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Va et raconte, dis-le au monde. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Va et raconte.